café vert, un allié minceur. Rien de tel qu'une délicieuse tasse de café le matin ou au milieu de l'après-midi. Mais pouvez-vous imaginer que vous pouvez transformer un simple petit plaisir en une aide pour atteindre la silhouette désirée? C'est possible. Découvrez les pouvoirs du café vert, un allié minceur. Le café vert est l'un de nouveaux alliés de ceux ou celles qui veulent perdre du poids en évitant les méthodes complexes. Il était inconnu de la plupart des gens jusqu'à ce qu'il soit présenté dans le fameux programme du DR Rose en 2012. On ne mentionnait généralement que le café torréfié comme un bon agent de bien-être général. Cependant, on parlait peu des avantages de la graine à l'état naturel, c'est-à-dire le café vert. Cette époque est révolue. Découvrons ce qu'est exactement ce type de boisson et comment vous pouvez l'utiliser pour perdre du poids. Qu'est-ce que le café vert ? Cette graine verte est-il une sorte de café bizarre? Est-ce difficile de le trouver? Qu'est-ce que fait le café vert que ne fait pas le café normal ou torréfié? Nombreuses sont les questions qui entourent encore cet allié récent de la santé. Tout d'abord, la première différence entre un grain de café vert et un grain de café torréfié est que le premier est le stade primaire du second. C'est-à-dire que le café vert est le grain de café non séché qui, après le processus de séchage, devient un grain de café foncé. La couleur naturelle du café n'est pas le brun, mais le vert. C'est ainsi qu'il est prélevé sur la plante. Il est ensuite grillé pour être vendu puis transformé pour vous accompagner tous les matins. En plus de la couleur, l'autre différence entre le brun foncé et le vert est la teneur en acide chlorogénique. Le café vert est son acide minceur. Qui souhaite profiter du café vert pour perdre du poids, doit d'abord savoir ce qu'est l'acide chlorogénique. Il s'agit d'un composé chimique concentré dans les grains de café qui brûle les graisses et abaisse le taux de glucose. Chaque grain contient jusqu'à 7 de concentré d'acide chlorogénique. En plus d'éliminer les tissus adipeux et de contrôler la glycémie, il est reconnu pour son pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire. Une étude présentée lors d'une conférence de l'American Chemical Society en 2012 a rapporté que l'acide chlorogénique a pu aider 16 personnes diagnostiquées comme étant en surpoids à perdre du poids. Pourquoi ne trouvons-nous pas d'acide chlorogénique dans le café torréfié? C'est parce que le composé est perdu pendant le processus de torréfaction. C'est pourquoi vous ne pouvez utiliser que le café vert comme un allié pour la perte de poids. Autres avantages que vous devriez connaître. Ce café n'a pas seulement des pouvoirs qui aident à brûler les tissus adipeux ou à contrôler le taux de sucre dans le sang. Il y a d'autres avantages à attirer de chaque grain et de son concentré en acide chlorogénique. En voici quelques-uns. Il permet d'accélérer le métabolisme et d'utiliser les lipides comme source d'énergie. Sa teneur en phénol vous permet d'être plus rassasié plus longtemps. Son acide chlorogénique influence l'activité des nodules graisseux dans les fessiers et les jambes, ce qui favorise la réduction de la cellulite. Le café vert a un pouvoir diurétique qui réduit la rétention d'eau dans le corps.
Il combat les radicaux libres qui détériorent les cellules. Précautions à prendre. L'excès en tout peut causer des dommages, et cela inclut aussi les pouvoirs du café vert. N'oubliez pas qu'il contient aussi de la caféine. On recommande bien sûr aux personnes souffrant d'hypertension, aux femmes enceintes ou allaitantes, aux mineurs et aux personnes âgées de s'abstenir de boire du café vert comme du café torréfié. La caféine a le pouvoir d'augmenter la pression artérielle, en plus de générer les inconforts suivants lorsqu'on en consomme trop. Maux d'estomac. Dépendance. Épisode d'anxiété. Tremblement. Nervosité. Impossibilité de se mettre en état de repos. Façon de l'utiliser pour perdre du poids. Étant donné la popularité croissante du café vert et son utilisation comme allié pour la perte de poids, vous pouvez en profiter de différentes façons. En fait, il existe dans plusieurs préparations alternatives. Comprimé avec extrait d'acide chlorogénique. Gomme à mâcher au café vert. Café vert moulu en grains. Infusion et thé au café vert. Ceux qui souhaitent aller droit au but peuvent prendre des capsules d'extrait d'acide chlorogénique. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin dédié à la vente de produits de nutrition. D'autre part, ceux qui veulent goûter le goût du café vert peuvent utiliser de la gomme à mâcher, moudre des grains ou faire une infusion. N'importe laquelle de ces utilisations est tout aussi utile. Il y en a pour tous les goûts. La clé est d'être cohérent dans la volonté de perdre du poids.